On se retrouve aujourd'hui au lac d'Urta Carcan. Donc comme vous pouvez le voir derrière, magnifique. Et nous avons été invités aujourd'hui par l'association Médoc Va'a 33. Donc vous pouvez le voir, tous les Va'a derrière. Vous avez raté le Va'a V6. Mais voilà, magnifique paysage. De l'association Médoc 33. Mais là, on fait le baptême aujourd'hui, on fait le baptême des V1 qui sont arrivés de Crépy. Voilà, on était, vous étiez conviés avec la EPF ici pour passer une belle journée tous ensemble. On est Médoc Va'a 33 sur le Carcan, Montbuisson et sur toute la région Gironde. Voilà. Ça fait 14 ans qu'on existe et au niveau des compétitions, on est pas mal placé, on est assez reconnu maintenant. Ici en France et aussi à Tahiti maintenant avec les filles qui ont fait 5e mondial lors de la récup. Voilà. Super, super. Du coup, pour ceux et celles qui veulent bien tester le Va'a, donc la pirogue, eh bien allez-y, retrouvez-les sur le Facebook. C'est comment ça s'appelle? Médoc Va'a 33. Voilà. La pirogue, ou le Va'a comme on dit à Tahiti, est l'une des activités traditionnelles de la Polynésie française. Si au 19e siècle, le Va'a était le moyen de transport quotidien des Polynésiens, aujourd'hui, il fait partie des activités sportives principales de la Polynésie française. Des compétitions, des courses sont organisées chaque année, telles que le Hawaii Kiwi Va'a. Elle a comme d'habitude des aventures des plus extraordinaires. Vous vous rendez compte? Le premier vlog sous ce soleil des beaux jours de printemps. Magnifique, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude, que des bonnes vibes, que de belles rencontres, de la bonne musique et bien sûr, sans oublier, la petite touche de Holy Tahiti.